comme vous le voyez, la République tient dans sa main un rameau d'olivier. C'est le Saint-Norman de l'UPR. Ouais. Vous savez que c'est ici qu'a su proclamer la 5e République sur cette même place. Eh bien, nous voulons rétablir la République française dans toutes ses prérogatives et nous voulons cesser d'être soumis à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Parce que la vraie France insoumise, elle est d'abord insoumise à l'Union européenne. Elle est insoumise à l'euro et elle est insoumise à l'OTAN. Tous ceux qui vous parlent d'autre Europe vous mentent. Honte à toutes les autres têtes de liste qui pour la 40e année consécutive vous disent qu'ils vont changer l'Europe. Ils n'ont pas le pouvoir de changer l'Europe parce que l'Europe ne peut se changer qu'à l'unanimité des États membres. Les parlementaires européens n'ont pas le pouvoir de changer l'Europe parce que l'Europe, ce sont des traités qui se négocient entre les gouvernements. Le seul pouvoir qu'ont les parlementaires qui se sont présentés devant vous depuis 40 ans, c'est en fait, eh bien, d'empocher de l'argent et de se taire. Nous aussi, nous voulons avoir des députés européens. Et je suis heureux de vous présenter à côté de moi, vous l'avez déjà vu, Zaman Ziwan, qui est la numéro 2. Vincent Brousseau, qui est numéro 3 de la liste. Si nous dépassons 5% des suffrages de 26 mai, 5%, eh bien nous serons tous les trois députés européens. Et croyez-moi, nous ne serons pas comme M. Le Pen ou M. Philippot, c'est-à-dire zéro présence dans les commissions du Parlement européen. Nous ne serons pas comme ces gens du Front National ou de M. Philippot qui étaient quasiment mis dans la sang lors de l'école du Parlement européen et ne fait jamais mis cette fois si on avait sorti de l'Union européenne. Nous ne serons pas comme M. Mélenchon qui s'est trompé 266 fois en 20 ans. Nous allons ouvrir ces menottes, voilà.